Salutations tout le monde. Je suis en compagnie de Samuel Gendron de la série web La pêche dans la peau. Oui. D'ailleurs, ce matin, en déjeunant, j'ai écouté une de tes épisodes. Merci. J'ai bien aimé. T'as bien aimé? Bien, oui, je suis content. Vous pêchez le doré dans la région de Québec, sur le fleuve, dans des secteurs que j'ai déjà fréquentés jadis. On est ici aujourd'hui pour vous parler d'un leurre qui est extrêmement efficace, notamment au doré, qui est un classique, je dirais, mais un classique revu et corrigé. Oui, 2.0. Oui, 2.0, exact, bien dit. On va parler de leur soupe, je vous le montre à l'instant. Mes toutes premières expériences de pêche sur le lac Saint-Pierre, jadis, il y a très longtemps, dans une autre époque, mes premiers dorés avaient été capturés avec un leurre de ce type-là. Donc, un vert souple, d'une couleur qui est... C'est un genre de vert avec des picots qui reflètent couleur rouge, puis une petite queue chartreuse. Oui. Ça, c'était à l'époque le leurre le plus utilisé sur le lac Saint-Pierre, puis dans le couloir fluvial. Il est encore très utilisé de nos jours, soit dit en passant. C'est juste que l'éventail est plus large maintenant. Puis la compagnie Target Baits, parenthèse, une compagnie québécoise. Oui, absolument. On est content toujours d'encourager les produits québécois. En a fait une version améliorée. Oui, oh oui, vraiment. Okay. Samuel, je pense que tu l'as quand même pêché pas mal. Oui, je l'adore. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Dans le fleuve à Québec, on l'utilise beaucoup avec des poids quand même. À la jig, ça va faire drôle pour certaines personnes. Un once et demi. Parce qu'il y a tellement de courant à Québec, puis tu sais, à la jig, c'est vertical, il faut aller au fond. Mais quand on tape le fond avec ça, on suit notre chenille, le courant, c'est très, très productif. Il y a plusieurs manières d'utiliser. Moi, personnellement, je mets un trailer hook. J'aime ça avec un trailer hook. Puis dans la région de Québec, on est une coupe de même, on aime ça se mettre un verre en plus au bout. Puis ça, c'est chacun ses techniques, ses choix. Moi, c'est comme ça que je l'aime. Mais comme ça, il paye beaucoup aussi. Là. Ouais. Dans le fond, ce que tu dis avec d'ajouter un ver de terre là-dessus, oui. C'était aussi la façon classique de l'utiliser. Ah, okay. Bon. À l'époque, c'est comme ça que je le pêchais, puis je pense que pas mal tout le monde le pêchait. Mais les gens qui me suivent depuis quelques années savent que j'ai éliminé ça ou à peu près de mes activités de pêche. Mais vois-tu, ce matin, quand on était faire quelques tests sur l'eau avant de tourner les capsules, j'ai fait une dérive sur mon île sous-marine avec ça. Un beau doré légal tout de suite. Clac, tout de suite. Puis il n'y avait pas de verre. Pas de verre, c'est ça. C'est la preuve. C'est la preuve que c'est vraiment du cas par cas. Puis il travaille très bien sans verre. Ah, écoute, l'action est très belle sous l'eau. À quoi ça ressemble exactement pour que ça plaise tant au doré en direct, on ne le sait pas tant, mais ça marche. Hein? C'est ça qui est important pour nous autres. Donc, avec l'hameçon remorque, ça, c'est une tête qui vient aussi de la compagnie Target Bait. Oui, il y a un éventail de poids et de style. Il y en a tête plate, juste le classique rond. Exact. Est-ce que l'hameçon remorque est vendu avec la tête? Tu l'achètes à part puis tu viens de clipper? C'est à part, tu viens de clipper. Fait que là, vous êtes... ça, pour beaucoup de gens, ils vont dire, ben oui, Dan, on connaît ça, là. Tout le monde connaît ça. C'est vrai, mais c'est là que ça devient intéressant. Si on le regarde attentivement, on s'aperçoit qu'il y a des trous dans leur soupe. On pourrait dire des alvéoles. Exactement. Puis corrige-moi si je me trompe, qui ont pour but de retenir une potion odoriférante. Exactement. Donc, qu'on voudrait ajouter de l'odeur à notre présentation, les journées que la pêche est difficile, ça devient vraiment un plus. Oui. Si les conditions sont excellentes, ça mord beaucoup, honnêtement, pas besoin. Ça fera pas grande différence d'en mettre ou pas d'en mettre. Par contre, quand la pêche est difficile, je l'ai vécu des dizaines de fois, le fait de travailler avec les odeurs nous aide beaucoup. Donc, c'est bien ça, l'idée derrière Exactement, ça. Exactement, que ce soit en spray, en crème, il y a plusieurs styles d'odeurs sur le marché. Ça colle, ça reste dans les parois, dans les alvéoles. Ça nous donne un plus. Ça donne pas un moins. T'sais, ça va toujours aider. Ça ne peut pas nuire. En fin de compte, c'est ça. Ça ne peut pas nuire. Ça, on peut dire ça. Exactement. C'est sûr que si vous me dites que vous l'avez fait tremper dans le DEET, c'est une autre histoire. C'est une autre affaire. Mais avec une potion odoriférente conçue pour ça, tu il y en a plusieurs sortes sur le marché, puis je pense que Target Bait en a aussi. Si oui, il y a trois odeurs, mollusques, poissons à pas, et on a aussi un à l'ail, ceux qui aiment les fruits de mer. OK. Mais là, tu me fais penser à quelque chose que j'étais en train d'oublier. Là, tu parles de consommation, j'en mangerai pas, là, même s'il y en a à l'ail. Mais il y a la fameuse mention qu'il n'y a pas de phtalate dedans. Oui. Ça, c'est donc, j'aimerais que tu expliques aux gens qu'est-ce que le phtalate, puis pourquoi on est content qu'il n'y en ait pas.
Oui, absolument. Dans le fond, le phtalate, c'est un produit chimique qui est utilisé dans la fabrication des caoutchoucs, des vinyles, des plastiques. Ça permet d'avoir une meilleure élasticité. Ça amène des belles propriétés au caoutchouc, entre autres. Là, on voit notre leurre. T'sais, c'est évident que la flexibilité, c'est un point fort. Donc, il n'y en a aucun là-dedans. Puis, c'est une technologie qui s'appelle EcoFlex, qui est utilisée chez Target Bait. Puis, donc, c'est 100% sans phtalate. Qu'est-ce que ça fait, le phtalate? C'est un produit qui, si on l'absorbe, il est néfaste pour notre santé. Il y a plusieurs familles dans les phtalates. Le meilleur exemple que j'ai, bien, j'en ai déjà parlé dans le passé, c'est tout ce qui est les petits objets pour les enfants qui vont se mettre à la bouche. C'est maintenant au Canada, c'est interdit d'avoir du phtalate. Il y en a dans des solvants. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Puis il y a beaucoup d'études au Canada qui prouvent, bien, ils sont allés plus loin au Canada là-dedans, qui prouvent qu'on doit éliminer ça de notre consommation. Il y en a partout autour de nous, mais pas dans les leurres Target Bait. OK. Fait que si je comprends bien, il y en a dans probablement une bonne majorité de leurs soupes qu'on utilise oui, déjà. Oui, il peut en avoir. Potentiellement. Oui, mais avec celui-là, on est certain que non. Exactement. Puis la compagnie a trouvé un produit de remplacement EcoFlex qui permet d'avoir la même action. Sans les inconvénients pour nous et pour l'environnement du phtalate. Exactement. Fantastique. Hein? On ne peut pas être contre la vertu. Hein? J'adore l'idée. Outre ça, dans ces leurres-là, bon, un leurre soupe de 6 pouces. Le traditionnel, c'était avec la petite queue chartreuse. Oui, ça, c'est le premier là, qu'on a ressorti chez Target. L'original. Oui, hein? C'est ça. Puis là, on en a sorti des versions avec queue rose. Et queue orange. Exactement, oui. Puis c'est des leurres qui ont beaucoup de succès. Là. On a des bons commentaires. Puis la nouvelle version, justement, on pourrait dire 2.5.0, peu importe. il est flottant, en plus. Ah, donc, lorsqu'on okay. va jiguer, bien évidemment, on descend comme ça. Le leurre va avoir tendance à toujours tenir par en haut. Ah, donc, oui, ça oui, met oui, comme oui. un peu plus d'effet de vie là, dans le oui, leurre. Oui, puis ça doit le garder davantage dans le champ de vision du poisson. Oui. Parce que s'il tend à être couché sur le fond parmi les débris, puis le fond n'est jamais parfaitement plat, il est moins visible. Là, s'il lève du fond, c'est un plus oui, bien, c'est bien, ça. Intéressant. On est allé chercher ça dans cette ligue de produits-là, oui. puis... C'est très apprécié. Puis, tu sais, vite fait de même, là, puis si t'es pas d'accord, tu me le diras. Oui. Ça, c'est notre classique. Probablement le premier qu'on va mettre à l'eau. Moi, quand l'eau est très brune, chocolat, j'aime beaucoup l'orange. Ben, tu sais, moi, je pense tout de suite à Shibugamo. Ouais. Hey, il y a brun une couleur, d'ailleurs, brun et orange, qu'on appelle la Shibugamo, je sais plus quoi, la couleur Shibugamo. Ouais. Puis, le rose, moi, j'appelle ça la carte cachée. Les dorés aiment beaucoup le rose. Ouais, c'est vrai. Comme la Wallanish, par ailleurs, parenthèse. Mais, fait que ça, bien intéressant. Ça, ne négligez pas le rose, en toutes circonstances. Est-ce qu'il y a des choses que j'oublie? Est-ce qu'on a fait pas mal le tour de ce leurre-là? Derrière, on voit différents montages. Ah, en drop shot, j'y avais jamais pensé. Ça pourrait être présenté oui. en drop shot. Absolument. Avec l'action de queue, ça peut être bien, bien, bien intéressant. Fait qu'on nous montre derrière l'emballage différents montages pour utiliser ce leurre-là, un classique, mais en version améliorée à plusieurs points de vue. C'est le fun, Dan, de pouvoir avoir ça dans le coffre. Tu sais, il y a des gens qui, pour eux, à tous les jours, ces techniques-là, ils les maîtrisent à 100%. Quelqu'un qui est plus aventurier, qui va sortir de sa zone de confort, en ayant ça dans son sac, dans son coffre de pêche, ils ont tout le temps la manière de faire les montages, je trouve ça vraiment bien. Oui, fait que c'est bien pensé de la part des gens chez Target Bait. Donc, pêcheur de doré, je pense que d'avoir un pocket worm, un sac ou deux ou trois de pocket worm dans votre coffre de pêche, ça veut dire des dorés de plus.